Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment changer un filtre habitacle sur une Seat Ibiza. Alors, le filtre habitacle ne se situe pas sous le pare-brise en extérieur en s'ouvrant le capot, mais à l'intérieur côté passager. Donc, on accède côté passager. En fait, il se situe sous la boîte à gants. On a cette cassette là. En fait, vous avez deux loquets ici à déplacer. Je vais aller chercher la lumière, on verra mieux. Voilà, donc j'ai été chercher la lumière, comme ça on voit mieux. Donc il s'agit en fait d'une cassette qui est maintenue par deux loquets, voilà, qui coulissent. Donc je les fais passer en position centrale. Celui-ci pareil, on positionne de manière centrale, et ensuite vous avez, voilà, cette partie qui se déplace, voilà, et ça, bah, en fait ça s'enlève complètement. Ça s'enlève complètement. Et donc en dessous, vous avez le filtre habitacle. Il est vraiment extrêmement sale. Donc ça s'enlève tout seul. C'est une cartouche. Hein. Le filtre habitacle, c'est ni plus ni moins qu'une cartouche 830. La seule chose à laquelle il faut faire attention lors du remontage, c'est le sens. Voilà, donc une fois que vous avez enlevé le filtre à air, bien, vous avez un logement en plastique qui maintient le filtre à air. Il suffit de l'enlever. Voilà, enlever le vieux filtre. Hop, bien regarder le sens dans lequel. Bah, bien regarder comment il est mis pour pouvoir remettre le nouveau dans la même position. Et puis vous remplacer par un neuf. Alors normalement, hein, vous allez voir, hein, si vous commandez un neuf, il n'est pas noir, hein, évidemment, il est blanc. Bien. Dernière chose avant le remontage, si vous avez un doute, est-ce qu'il faut monter la cassette dans ce sens-là ou bien dans ce sens-là, eh bien en fait, vous pouvez vous référer à cette petite partie-là qui ressort et vous voyez l'encoche qui vous permet de savoir dans quel sens à ce niveau-là. Voilà, donc forcément, si l'encoche est de ce côté-là et pas de ce côté-là, bah c'est normalement. Pas de ce côté-là, bah c'est normalement. De ce côté-là, bah c'est normalement. Vous connaissez le sens de montage. Voilà, rien de compliqué. Donc ensuite, une fois que le nouveau, vous remettez le nouveau dans la partie en plastique et vous le réinsérez là-haut. Une fois que vous avez réinséré la cartouche, vous remettez, hop, le cache plastique en coulisses de chaque côté. Voilà, c'est verrouillé. Une fois que c'est verrouillé, vous démarrez le moteur, vous vérifiez si la ventilation fonctionne parfaitement, fonctionne comme d'habitude, pas de bruit suspect, puis sinon il n'y a pas de problème. C'est extrêmement facile, c'est à la portée de tous. Et puis changer son filtre habitacle une fois par an, ça permet d'avoir de l'air sain dans votre voiture quand même. C'est important. Voilà, bonne vidéo à tous et merci.